Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Gus et bienvenue sur Pro Cycling Manager 2015 pour le mode Pro Cycliste. Et la fin de saison, et nous sommes le 19 octobre, l'heure de vous dire un petit peu qui a gagné quoi en gros. Hein. Donc, faire dans les. On va faire dans résultats. Archives. Voilà, le Tour de France a été remporté par Alberto Contador devant Chris Froome, Quintana, Nibali, Kreuziger, Pino, Valverde, Rodriguez. Et TJ Van Garderen, mon chat, mon bête. Le Giro d'Italia remporté par Richie Porte devant Rigoberto Urán, Fabio Aru, Vogelsang, Pozzovivo, Kadaman, Maika, Amador, Kreuziger. Alors pourquoi il n'est pas là? Catado fait 10ème, c'est pas mal. Merci qui fait 10ème sur le Tour de France, parce que je me dis Daniel Martin. La Vuelta a été remportée par Vincenzo Nibali devant Chris Froome, Alejandro Valverde, Pozzovivo, Perro, bien joué, 5ème, Izaguirre, Talansky, Roche, Inzosti, Anton. Alaphilippe qui fait une bonne petite 17ème place, hein, tout de même, bien joué. Ensuite, les classiques, Milan Sanremo remporté par Alexander Christophe, bien joué Alexander. Le Tour des Flandres remporté par Tom Boonen, Christophe 3ème. Paris-Roubaix remporté par Tom Boonen, bien joué aussi. Liège-Bastogne-Liège remporté par Dan Martin devant Joaquim Rodriguez. Le Tour de Lombardie remporté par Tony Galpin, bien joué Tony. Eh bien Tony, belle victoire au Tour de Lombardie, bien joué. Alors le Tour d'Honneur, Izaguirre, Paris-Nice, Valverde. Je vous mettez pause hein, si vous voyez le reste. Alaphilippe, 5ème, bien. Mettez pause. Hein. TJ Van Garen remporte le Tirreno Adriatico, le Tour de Catalogne, Boc Mollema, le Tour du Pays... Oh, mais non, c'est pas ça que je veux. Le Tour du Pays Basque remporté par Henao, le Tour de Romandie remporté par Alberto Contador, Dauphiné, Chris Froome, le Tour de Suisse, Contador, le Tour de Pologne, Rigoberto Urán, et l'Eneco Tour par Peter Sagan, le champion du monde. Le 3 à Relbeck remporté par Rolands, Gravelbegem, Cancellara, l'Amstel Gold Race, Philippe Gilbert devant Joaquim Rodriguez, la Flèche Wallonne, Joaquim Rodriguez devant Gilbert, Philippe Gilbert, bah, ils ont fait 1-2-1. Ouais. Valverde remporte la cycliste Saint-Sébastien, la Philippe 2ème, bien. La Vattenfall, donc Nizzolo, la classique de Hambourg, classique de Plouet remporté par Chimolai. Le Grand Prix Cycliste de Québec par Nordog et celui de Montréal par Slacteur. Voilà, le reste, on s'en fout un peu. Au classement mondial, ça donne Nibali leader, enfin vainqueur même. Trois petits points devant Contador, mais des vainqueurs. Par équipe, c'est la Sky devant la Tinkoff et les Tix. Et dans le monde, c'est l'Espagne qui remporte. En nombre de victoires, en individuel, pardon, en nombre de victoires, c'est Alexander Christophe avec 25 victoires devant Cavendish. Et au Super Prestige, c'est Nibali qui l'emporte tout juste hein, devant Alberto Contador. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de cette saison. Qui sera passée vite, bien sûr, il n'y a eu que 6 vidéos, je crois, un truc comme ça. Donc, mais bon, c'est pas grave, écoutez. On va continuer, et puis on va aller jusqu'à ce que, bah, je ne sais pas ce qu'il va nous donner après, du coup. Qu'est-ce qu'il va nous dire et tout. Je sais que là, normalement, on va changer d'équipe dans peu de temps. On va changer de maillot ici, là. Et oui. Voilà, ça se fait ici, si tout se passe bien, le 25, et voilà, j'ai le maillot de la Katusha, yeah. Alors, on va y voir un peu l'équipe Katusha, ce qu'elle donne maintenant, car du coup, je ne sais pas du tout qui est là, qui n'est pas là. En note moyenne, ok, en montagne par exemple, on a Rodriguez, Zakarin, Trofimov, oula, on a perdu Moreno et Spilak, waouh. Ah ouais, quand même. Ok, 78 chrono, je suis le meilleur de l'équipe. Ouais, ok. En sprint, on a Christophe, bien sûr. On a perdu un emport, ça fait là. Ok, c'est bon. Et c'est quoi comme recrue qu'on a eu là? Ils ont pas eu de recrue. Ah, c'est Guérin Thomas qui est là. Bien. Guérin Thomas, bonne recrue. Ça, Boaro qui est là aussi. Puis les autres, ça, c'est des petites merdes. Hein. Après, okay, d'accord. Enfin, des petites merdes, excusez-moi, mais voilà. Eh ben non, mais Guérin Thomas, c'est très très bien ça, Guérin Thomas, c'est une très bonne recrue.
Voilà, mais écoutez, les blessures, personne n'est blessé. Ah si, blessure là, gastro-entérite pour l'ossada et mononucléose pour l'agoutine. Ok. Et ben voilà, mais écoutez, c'est cool. On va avancer tranquillement jusqu'à la fin de saison. Me voilà donc chez Katusha. J'espère bien progresser encore, hein, bien sûr. J'espère bien évoluer encore. Cycliste, voilà. Entraînement. On met à fond ici. Là, voilà. Tout le mois de novembre, on met à fond. Je sais pas si ça servira à quelque chose, mais on s'en fout. Je pense pas que ça fasse évoluer les choses, mais bon. Ah, quoique, peut-être. Hein. Peut-être, on sait pas. Non, 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 ça n'a pas l'air de faire évoluer beaucoup. J'aurais bien aimé gagner quelques points avant le début de saison, mais ça me semble compromis. Dommage. C'est pas grave. En tout cas, une saison qui s'est passée tranquillement, bien bien, avec 15 victoires à mon actif, donc pas mal. Bien sûr, hein, pas de grosses grosses victoires dans l'absolu, hein, le Tour de Californie, enfin de. Oui, ça, le Tour de Californie, tout ça, c'est sympa. Voilà quoi. Le Tour de l'avenir, bien sûr, hein, le Tour de l'avenir, mais il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais tout de même, bien sûr, le Tour de l'avenir, une énorme satisfaction pour moi. Même si, voilà, il n'y a pas beaucoup de concurrence, on le sait. On attend patiemment, écoutez, hein. Tranquillement, patiemment, on attend. Hop. Oh, désolé, hein, j'écris en même temps. 2016. Voilà. Oui, j'écris les titres qui sont prévus. Voilà. Hop, nous sommes au décembre, on va s'arrêter là. Enfin, on va pas s'arrêter là, mais. Et je m'entraîne en quoi? Mon grimpeur, je crois. Ouais, c'est en grimpeur. Ouais. Ah ouais. Hop. Donc décembre. Ah oui, on va mettre à fond, les gars. Écoutez, tant qu'à faire. Hein. Voilà, on met à fond, on met à fond, on met à fond. Elle a un petit mois pour passer niveau 16. Ça serait cool, là, franchement. Ça serait génial de pouvoir passer niveau. Je n'y crois pas, mais ce serait génial. Ah non, ça va être juste, on est déjà le 7-8, ouais, non, c'est tout juste. Allez, allez, un petit effort quoi. Passe niveau 16 pour début de saison, pour gagner encore quelques petits points, pour bien débuter la saison. Ça peut être cool. Le 14, ah si, ça va le faire. Normalement, le 21, je vais progresser, je passerai niveau 16. Normalement. Je pense. On va savoir ça dans quelques instants. Le 19, le 20. Et normalement, là, je progresse. Ah, il m'en manquait un. Mais c'est bon, le 28, je progresse. C'est bon. Pile poil. Hein. Le 28, c'est bon, je serai niveau 16. Joyeux Noël à tous. C'est le 24 décembre. Joyeux Noël à vous. 25, voilà. Allez, le 28, normalement, je passe niveau 16. Et voilà, niveau 16. Parfait. Niveau 16, plus 2 en montagne, plus 1 en vallon. Ça, c'est génial. Plus 1 en accélération, plus 2 en descente, ça c'est bon, plus 2 en endurance, c'est génial, plus 1 en résistance et plus 3 en récupération. Alors ça, c'est magnifique. Ah oui, là c'est génial. 77 montagnes, 75 vallons, 78 chrono, 76 prologue, pas mal. 77 récupération, 76 endurance, 71, ouais, 76 descente. Bien ça, des bonnes notes. Et du coup, je suis un peu moins ridicule au niveau des caractéristiques de la montagne. Je suis un peu moins ridicule. Voilà, 77, 79, 80 pour Hakim. Ouais, mais j'ai que 22 ans. On va encore progresser, vous inquiétez pas. Allez, 23 décembre, c'est le 29, c'est ma fête, hein, Saint-David, hein, si vous savez. Voilà. Et c'est parti, janvier. Voilà, le calendrier. Modification de calendrier, merci, 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 voilà, je sais. On peut tout supprimer maintenant, c'est bon, je suis à la Katusha. Voilà, c'est fait, avec mon maillot de champion de Russie, n'oubliez pas. L'équipe, c'est bon, ça c'est classé, le calendrier alors. Ah bah oui, il y a déjà beaucoup plus de choses, hein. Alors, on propose quoi? Le tour de Dunder? Non, tour de Dunder, je n'en veux pas. Majorque. Majorque. 3,
Ouais, Majorque, donc ça c'est le 29 janvier. Ouais, on le fera, on fera Majorque. Le Dubaï Tour, non merci. Le Tour du Qatar, non merci, je n'en vais pas. Ah oui, non, non, mais faut pas rigoler, les gars. Moi je suis un grimpeur quand même, je suis pas là pour faire n'importe quoi. Murcie, oui, ça peut être sympa, le tour de Murcie, oui, ça je veux bien le faire. Almeria, j'ai 200 points, donc je peux faire ce que, un peu ce que je veux, c'est cool. Almeria, non. Le tour d'Andalousie, oui, une étape de montagne, ça m'intéresse. Trophée, on peut pas le faire. Le Umloop Newsblad, non merci, ça ne m'intéresse pas. Lugano, Lugano, ouais, pourquoi pas Lugano, ça pourrait m'intéresser. Le Strade Bianche, non, ça ne m'intéresse pas. Le Tirreno Adriatico, oh, j'aurais préféré faire le Paris-Nice, moi. Bloqué, ouais, non, attends. Ah oui, je préférais faire le Paris-Nice, moi, honnêtement. Paris-Nice, voilà. Alors, c'est pas sûr que je sois accepté pour tout, hein, attention, voilà. Là, c'est ce que je veux, en tout cas, mais bon. À Milan Sanremo, il faut que je fasse course World Tour. Ok, d'accord. Ça, c'est quoi? Non, ça, je veux pas le faire, ça, rien. Le Tour de Catalogne, ça me plaît beaucoup, le Tour de Catalogne. Oui, j'aimerais bien le faire. Ah, du coup, je loupe tout ça, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et ça, c'est quoi? Ça, non, je ne le fais pas, ok. Puis là, du coup, je fais rien jusque 29, ok, c'est cool. On valide ce calendrier déjà pour le mois de. Ouais, tout ça. On a 114 points. Ici, on me propose quoi? Le tour du Pays Basque, ouais, ça y a aucun problème, je le fais avec plaisir, même, j'ai envie de dire. Ça coûte 5 points, mais on veut le faire, ça, ok. Tour des Flandres, non. La Primavera, non. Enfin, je ne peux pas tout faire, de toute façon. Tour Paris-Roubaix, je m'en fous, de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Ça, non. Hop. Donc, du coup, ça, on va peut-être le faire, celui-là, ouais. Hop là, voilà. Alors, ça en fait du. Mais c'est normal. Oh, l'Amstel Gold Race, ça, oui, ça, je veux la faire, l'Amstel. Ouais. Et ça, on vire. Hop. Allez, je suis encore à N23, mais c'est pas grave. N23, là, j'ai pas le temps. La Flèche Wallonne, oui, je vais la faire. Merci. Les Bassonneiges, ah, je peux pas le faire pour l'instant. Le Tour de Romandie, oui, Miami, ça c'est parfait. Le Giro. Le Giro, je n'y suis pas encore, car il faut que je remporte une course. Un top 5. Un maillot 5 ou gagner une étape. Ok. Ok, d'accord. Tour de Californie, c'est moi le tenant du titre, mais je n'ai pas envie de le défendre. Le Tour de Belgique, non merci, ça ne m'intéresse pas du tout. Course de la peine non plus. Ah, on va quand même le refaire le tour de. Non, on va pas le faire. On va déjà valider ça pour voir combien il me reste de points. 62 points seulement, ouais. Ici, les championnats nationaux, bien sûr, le Tour de Suisse, il me propose. Parfait. Le Tour de France, bien sûr, il faut que je remporte un grand truc, hein, ça c'est logique. Ça, ok. Le Trophée Elmore, ok. Ça c'est cool. Ok. Pour l'instant, c'est pas mal ce qu'il propose là. En sachant que je vais gagner un niveau certainement d'ici là, donc j'aurai encore des points, ne vous inquiétez pas. L'Eneco Tour, non merci, ça ne m'intéresse pas du tout. Le Tour de l'Ain, oui, le Tour de l'Ain m'intéresse. Oui, le Tour de l'Ain m'intéresse, et oui, oui. Le Tour de Pologne aussi m'intéresse, non? Le Tour de Pologne m'intéresse pas, pourquoi? La Classica San Sebastian, oui. Hop. Non, non, j'ai pas bugué, ne vous inquiétez pas. Ah, le Tour de Burgos m'intéresse aussi, lui. Ouais. Ensuite, les boules, il met plein de choses ici, là, ok. Le Grand Prix de Montréal, ouais. Le Plouay, oui. La Benocchi, non. Là, si là, ça m'intéresserait peut-être ça, on verra bien. Milan-Turin.
Ah, Milan Turin, ouais, pourquoi pas. On verra. C'est en fin de saison, tout ça. Hein. On a largement le temps de revenir, tout ça. Allez, on valide. Il me reste 35 points, voilà. Les choses pour l'instant, voilà, le calendrier est fait. Mon premier calendrier, on verra bien maintenant si je suis validé ou pas. Hein. Voilà. On va attendre un petit peu. Allez. Le 7, le calendrier. Eh ben, tout est validé, tout est OK. C'est eh ben, c'est parfait tout ça. Voilà un peu donc mon programme. Donc là, le tour de Majorque. Murcie, Andalousie. La Ruta del Sol, oui. Lugano, le Paris-Nice, le Tour de Catalogne. Voilà un peu mon programme pour les prochaines semaines et prochains mois. Mon entraînement va devoir progresser un peu. Oui. On va mettre 5 sinon. 4. Et là, 5. Non, 4 aussi. On laisse à 4. Voilà. Sur ce, les amis, on va cesser. Enfin, on va cesser jusqu'à ce que j'ai une course. Hein. Elle est comme ma première course. Elle est le 29 juin. Donc, on va simuler jusque-là. Voilà. Quoi vous dire jusque-là? Bah, écoutez, que je suis content. Mon corps progresse, c'est pas mal. Écoutez, je sais bien que j'avais commencé à 19 ans, je serais déjà un cadre, j'aurais déjà des 80 par-ci, 80 par-là. Mais bon, écoutez, moi ça me convient actuellement comme c'est là, je progresse tranquillement. J'ai 15 victoires actives, 113 973 euros, je suis champion de Russie, j'ai fait deuxième contre-la-montre du championnat du monde. Franchement, voilà quoi, c'est très bien tout ça, c'est très très bien. Rien à dire, moi j'ai envie de vous dire, hein. Voilà quoi. Allez, on approche bientôt de cette première course que je ferai bien sûr, en vidéo avec vous peut-être. Enfin, j'y sais rien. Beaucoup plus de choses à vous montrer. Et du coup, là, il y aura beaucoup plus de vidéos hein, pour cette saison. Hein. Vous avez bien vu que là, il y a déjà pas mal de classiques. Il y a des tours un peu partout. Et des très très belles étapes un peu dans tous les sens. Donc forcément, beaucoup plus de choses à vous montrer. C'est logique. Pam, pam, pam. Allez. Bon, voilà. Nous y sommes. Voilà, j'ai progressé un tout petit peu, pas grand-chose, mais un tout petit peu tout de même. Sur ce, les amis, nous allons nous laisser ici. On se retrouve donc prochainement pour une étape certainement du Tour de Majorque. Nous verrons bien. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.